Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Tu fais quasiment partie des mêmes, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit hey, « c'est qui lui, c'est un nouveau ». Martin, peux-tu juste nous dire brièvement dans quel genre de ministère, toi, tu travailles? Bien, moi, je travaille dans un ministère à Sherbrooke qui s'appelle Parole de vie. C'est un ministère jeunesse où on fait des camps de vacances l'hiver, les fins de semaine de camp. Plein de choses extraordinairement plaisantes, dont la baignade de l'ours polaire. Que j'ai déjà fait, c'est fristouner. Légèrement. Tirer la hache, la glissade en trip. Bref, on veut donner un bon temps aux jeunes qui viennent comme campeurs. Et l'été, c'est la même chose, mais ça dure toute une semaine. Mais principalement, durant toute l'année, on a une école biblique qui vise à enseigner la parole de Dieu, la Bible, aider les gens à comprendre la parole de Dieu dans son contexte, quand est-ce que ça a été écrit, à qui il s'adressait, pour que les gens puissent s'approprier le message de Dieu pour leur vie. Et on fait ça dans un programme qui dure de septembre jusqu'à juin. On peut venir juste une session ou faire toutes les deux sessions au complet. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait à Sherbrooke, à Parole de vie. Et justement, toi, t'enseignes dans cette école-là, entre autres. Et là, on est dans un texte. On a commencé dans l'émission précédente une série concernant les rencontres que Jésus. On a parlé de Nicodème. Ça se trouve au chapitre 3 de Jean. Et j'aimerais que les gens, vous puissiez tourner avec nous. Au verset 1, verset 2, on voit que Nicodème, c'est un pharisien. Donc, c'était un chef religieux. Que c'est lui, normalement, qui avait les réponses aux questions des gens. Et là, on le voit aller de nuit voir Jésus. Puis, il fait comme, je te regarde vivre. Je regarde ce que tu dis. Je regarde les miracles. Et tout ça, puis j'ai des questions pour toi que je ne peux pas. Puis le fait qu'il y a de nuit nous indique qu'il est peut-être un peu mal à l'aise par rapport à ça. Probablement peur de la pression de ses pères qui ne voulaient pas reconnaître quelqu'un d'autre, un autre leader religieux, parce qu'eux autres, ils étaient les leaders religieux de l'époque. Mais là, Nicodème, il dit, non, il y a de quoi de trop grand, là. Puis je comprends pas des choses. Il faut que j'aille à ce Jésus. Puis il regarde Jésus, il dit, je sais que tu viens de Dieu. Et là, Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau et tout ça. Puis il arrive au verset 14, puis il dit, Jésus lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui ont déjà lu ça, mais en fait, hein? C'est quoi ça? C'est quoi le lien entre le Fils de l'homme soit élevé, le serpent dans le désert? Pourquoi Jésus dit ça à Nicodème? Et j'aimerais ça que tu nous mettes un peu en contexte du verset 14. Ce verset-là est fort intéressant parce que ça fait référence à un événement qui s'est passé des centaines d'années auparavant, au temps de Moïse. Mm-hmm. Et sûrement que les auditeurs à la maison connaissent la fameuse histoire des dix plaies d'Égypte, alors que le peuple de Dieu était prisonnier en Égypte. Ils étaient descendus, ils ont resté en Égypte pendant 400 ans, ils sont devenus des esclaves. Et Dieu, un jour, a décidé de sortir de là avec Moïse. Et pour que Moïse les laisse sortir d'Égypte, Dieu a envoyé 10 plaies, 10 terribles plaies à toute l'Égypte. Et finalement, le pharaon a accepté qu'il parte. Mais là, je te mets une petite pause avant. Ouais. Les plaies, on est habitué, c'est folklorique. Mais un instant, on peut juste en parler quelques instants. C'est des grands miracles, là. C'est que tout le monde a vu, c'était quelque chose d'exceptionnel. On dit, oh, les plaies, t'as peu. Là. On parle qu'il y a des grenouilles partout. Là. On parle que l'eau change en sang. On parle des serpents qui apparaissent. Puis même, le fameux film de Disney, là, il me semble que c'est Disney, Le Prince d'Égypte. Ouais. Puis là, Moïse se présente devant Pharaon, puis il a l'air tout petit. Puis là, il va prendre son bâton qui va se changer en serpent. Puis là, le Pharaon va faire venir ses magiciens. Puis là, ils vont faire un paquet d'incantations, un paquet de dieux. Mm-hmm. Et Dieu est en train de s'attaquer à leur faux dieu. Et même les noms que Disney utilise, ce sont des noms des faux dieux d'Égypte qui existaient à l'époque. Donc, tout ça avait un contexte historique pour ces gens-là. Et oui, ils ont vécu de grands miracles. Et la dernière plaie, c'est lorsque les premiers-nés sont morts. Mais Dieu avait dit à son peuple, si vous voulez que vos premiers-nés dans votre famille, pensez à votre fils premier-né, ne meurt pas. Vous prenez un agneau, tu le tues, tu l'égorges, tu prends son sang, tu le mets sur les poteaux et le linteau de ta porte et tu rentres dans ta maison. Et lorsque l'ange de la mort va venir, il va voir le sang sur les poteaux de ta porte, il va passer par-dessus ta maison et ton fils va avoir la vie sauve. Mais si vous ne faites pas ça, ils vont mourir.
Et les Égyptiens n'avaient pas fait ça. Et les premiers-nés des Égyptiens sont tous morts. Et les Égyptiens ont dit, allez, sortez d'Égypte, voilà nos trésors, voilà notre argent. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Donc, le peuple d'Israël a été spectateur des miracles extraordinaires pour que Dieu s'est présenté au peuple, dire, je suis Dieu. Eux autres, leur Dieu, oubliez ça, je suis Dieu, c'est moi qui décide, je vous ai choisi, je vous amène dans le désert, ils vous donnent leur trésor, je veux que vous soyez à moi, venez m'adorer, je te laisse la parole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Israélites ont vu des grands miracles en Égypte. Le peuple de Dieu a vu des grands miracles, ils sortent d'Égypte, et là, ils sont dans le désert. Et là, ça commence à pas tellement bien aller, parce que là, ils manquent d'eau, ils manquent de nourriture, ils se plaignent un peu, finalement, Dieu... Il comprend, il est gracieux, il va leur donner de l'eau, il va leur donner de la nourriture, la manne, etc. Puis là, il va arriver un événement, ils vont chialer. Les Québécois, on est spécialistes dans ce domaine-là. Les murmures, pour utiliser un bon français, mais le chialage, tu dois être familier avec ça. Jamais. J'ai jamais chialé. Tous les parents savent ce que ça veut dire. Hein? Oui. Oh non, pas encore ça. Ils vont chialer contre Dieu. Oh non, on est dégoûté. Dans le livre des Nombres, c'est écrit que les enfants d'Israël ont dit on est dégoûté de cette misérable nourriture. Dieu leur avait donné de la nourriture en abondance. Et ils étaient dégoûtés de ce que Dieu leur avait donné. Et là, ce qui va se passer, c'est que Dieu a dit c'en est assez. Il doit y avoir une conséquence à ça. Et Dieu a envoyé des serpents. Et les serpents mordaient les Israélites, et plusieurs de ceux qui étaient mordus mouraient. Et là, ça les a emmenés à un endroit où ce qu'ils ont dit, on a péché contre Dieu, on a péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont allés voir Moïse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin avec ça, pour que Dieu nous pardonne? On a fait une erreur. Je t'arrête, on va voir la réponse de Dieu au travers de Moïse après la pause. Mais avouons que c'est spécial. Eux qui ont vu tant de miracles, eux qui ont vu la grande délivrance, Dieu les nourrissait avec la manne à tous les jours. C'est répugnant ce que tu nous donnes, Seigneur. Ah, nous, on n'aime pas ça. Nous, hey, on peut-tu retourner en Égypte? On était bien, Moïse. On veut retourner en Égypte. Dieu disait, non, non, il y a des conséquences à me repousser de même. Il y a des conséquences à murmurer. Il y a des conséquences à critiquer la vie que je vous donne. Il y a des conséquences. Vous allez mourir. Et c'est quelque chose. C'est une très mauvaise nouvelle. Vous allez voir, il y a aussi une bonne nouvelle. Et c'est dans le contexte de Jean 3. Bref, restez après la pause. On va en parler de la mauvaise et aussi de la bonne nouvelle. Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, les êtres humains, on ne peut pas vivre comme on veut sans qu'il y ait de conséquences. On est dans le désert. Le peuple dit, « Hey, Dieu, regarde, c'est de la cochonnerie ce que tu nous fais vivre. On veut revenir en Égypte. Moïse, t'es dans le champ. » Dieu dit, « Wow, wow, wow. Je suis en train de vous sauver, de vous racheter. Je suis en train de vous bénir, je vous nourris. » Puis là, vous chialez un petit peu. Je vais juste vous montrer encore une fois qui est le boss. Il y a des serpents qui arrivent. Le monde meurt. Mais quand le monde meurt, ça meurt, là. Puis là, ils disent, comme tu as dit, « On a péché. » Seigneur, on a péché contre toi. Il en arrive à un point, là. Bien, souvent, il faut être dans la misère pour réaliser qu'on a fait des erreurs. Et c'est que ce que Dieu a fait, il lui a envoyé les serpents, ils se faisaient piquer, ils se faisaient mordre, et les gens commençaient à mourir, puis là, ils ont réalisé leur erreur, puis là, ils vont voir Moïse. Ça tombe. C'est quoi la solution? La repentance. Avouer tes erreurs, puis ils sont allés voir leur leader, Moïse, puis là, Moïse est allé voir Dieu. Et là, Dieu a dit à Moïse quelque chose qui est tout de même étrange. Moïse a ordonné à Dieu de se faire un serpent d'airain, puis de le mettre en après... cuivre. En cuivre, ouais. Du métal. Puis de le mettre après un bâton de bois. Et là, de prendre ce serpent après le bâton, puis de le mettre bien à la vue de tout le monde dans le camp des Israélites. Puis là, il était probablement à environ 2 millions de personnes. On n'a pas de détails sur la grandeur de la chose, mais c'est sûr qu'ils ne l'ont pas couché à terre. Ils l'ont mis pour que les gens le voient.
Et Dieu va dire, si tu me permets que je te lise un petit verset de l'Ancien Testament. Certainement. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, Dieu a dit à Moïse de faire ça. Puis il dit, dis à ceux qui ont été mordus, regardez le serpent. Avouons que c'est simple un peu, même quasiment simpliste. Même, j'essaie de m'imaginer, là, j'ai été mordu, je suis dans ma tente, je fais de la fièvre, je suis en train d'agoniser, j'ai vu tous mes amis mourir, je sais que c'est ça qui s'en vient. Puis là, j'ai un petit gars qui vient me voir, il dit, sors de la tente, regarde le bâton de bois avec le serpent de métal dessus. Dieu va te délivrer de ça. Tu vas être guéri. Hey, excuse-moi, mais c'est achale-moi pas. Exactement. C'est bien trop simple. Je suis en train de mourir. Tu vois-tu pas que je suis en train de mourir? Ouais. J'agonise! Exactement. Mais pourtant, une des choses qu'il faut voir avec Dieu, c'est que Dieu, c'est moyen de sauver au travers l'histoire. C'est simple. C'est toujours simple. C'est jamais compliqué. Pourquoi? Pour que n'importe qui puisse le faire. Et ce que j'aime, le fil conducteur d'un couvert à l'autre de la Bible, c'est par la foi. Parce que t'es dans ta tente, il faut que tu crois que ça va marcher. Puis que tu aies regardé. Puis même si c'est ridicule, parce que, on va être franc, c'est ridicule. Je regarde un serpent d'airain, puis je vais être sauvé. Ça n'a pas de sens. Dieu dit, oui, oui, je fais ça simple. Tu as juste besoin de me croire. Et ceux qui l'ont fait, ils ont été sauvés. Exactement. Là, je nous ramène. Bien, il faut revenir à notre texte. Dans 3. Exactement. Donc, Jésus est en train d'expliquer à Nicodème comment il peut naître de nouveau. Il vient d'expliquer à Nicodème qu'il doit naître de corps. Ça, c'était déjà fait. Il était là. Puis, il devait naître d'esprit. Donc, son esprit était mort à cause qu'il était pécheur. Il avait été mordu par le péché. Il était mordu comme par le serpent. Le parallèle, il est là. Tu as besoin de regarder au serpent. Et c'est là, c'est ça le contexte ici. Là. Et ce qui est le fun dans la Bible, et je dis toujours ça à mes étudiants, c'est que Dieu a tellement de la suite dans les idées. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait il y a 4000 ans, Dieu a un plan, c'est un metteur en scène extraordinaire. Spielberg peut aller se rhabiller, c'est clairement sûr et certain. Quand tu regardes l'histoire qu'il y a là, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose que qu'est-ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Ah, mais si je veux être sauvé, à l'émission d'avant, on a dit, hein, juste croire, oui, juste croire. Juste regarder le serpent, puis je vais être sauvé. Ça se peut pas. Simple. Et là, c'est intéressant parce que des fois, les gens vont accuser les chrétiens de faire des liens, d'inventer des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, sauf que c'est Jésus qui fait ce lien-là. Le Fils de Dieu, il dit à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, comme on vient de raconter l'histoire, il faut de même, pareil, que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé. Et c'est là qu'il dit cette fameuse phrase-là, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus à la fin de sa vie? Il est ressuscité. Avant ça. Il est mort. Il est mort sur une croix, crucifié. Sur une croix. Il a été, quoi, élevé. Il a été mis sur un bâton, comme le serpent a été mis sur une perche. Il est mort juste à côté de Jérusalem, à Golgotha, sur le mont du Calvaire. Souvent, au Québec, les Québécois ont utilisé ce terme comme un juron, mais c'est que c'est une montagne. Il a été élevé, tout le monde pouvait voir Jésus sur la croix. Et lorsque quelqu'un regarde à Jésus, quand quelqu'un réalise comme le gars qui était mordu, il est mal pris, il va mourir, puis s'il voulait être sauvé de sa morsure de serpent, il devait regarder au serpent. Si moi, en tant qu'être humain, je réalise mes fautes, je réalise que je suis coupable devant Dieu, et je sors de ma tente et je regarde la croix de Jésus et je mets ma foi en Jésus, je vais être sauvé de mes péchés. Je vais avoir la vie éternelle. La nouvelle naissance. Exactement. Comment? Croire. Donc, il est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu as le même problème que les Israélites dans le désert, que ceux qui avaient été mordus. Et là, comme le fils va être, comme le serpent devait être élevé, le fils va être élevé. Et si tu regardes le fils,
Tu vas être sauvé, tu vas avoir la vie éternelle. Et j'aimerais ça qu'on aille à la pause, tout simplement parce que ici, ça va être une belle transition sur justement Jésus. Comment ça s'est possible? Comment Jésus a rendu ça possible? Comment Jésus a élevé que je le regarde, tu peux être sauvé, avoir la vie éternelle? La mécanique de ça. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ça après la pause, mais avant, j'aimerais ça offrir le livre Destination finale. Est-ce que vous l'avez? Avez-vous ce livre-là entre les mains? Est-ce que vous l'avez lu? Si vous l'avez, oh, que je vous encourage de lire. Puis si vous ne l'avez pas, bien, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose parce qu'il y en a un grand groupe de gens qui l'ont lu puis qui ont été vivement touchés. Parce que Michael utilise la Bible pour justement expliquer comment on peut avoir la vie éternelle. Le livre s'appelle « Destination finale » parce que oui, il y a une destination finale. Nous allons mourir. C'est une mauvaise nouvelle ou ça, c'est une bonne nouvelle? Michael dresse la volonté de Dieu pour vous, pour nous, pour moi, dans sa parole. Donc, je vous en supplie, écrivez-nous, appelez-nous, dites, j'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre et on vous l'achemine tout à fait gratuitement à la maison. Sur ce, je vous nous dis, allons à la pause et après la pause, justement, parlons de cette histoire abracadabrante, mais qui peut nous sauver. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Martin, Jésus est en train de dire à Nicodème, tu as juste besoin de regarder à Jésus, à moi, qui va être sur une croix bientôt. Puis tu vas avoir la vie éternelle, tu vas avoir le pardon des péchés. Il faut comprendre que Nicodème, il faisait partie de l'élite religieuse. C'est un chef religieux. C'est un bon gars. Comment? C'est un bon gars. C'est un bon gars. Lui, là, suivre la loi le plus possible et tout ça, quand c'était ça sa vie, c'était le modèle. Ces gars-là, c'était des modèles pour le peuple. Donc, lui, il dit, moi, j'ai un CV bien garni. Puis il regarde Jésus, il dit, ça a l'air que je n'ai pas assez. Puis Jésus lui dit, clairement, ton CV n'est pas assez bien garni. Et ça, c'est le danger de beaucoup de personnes. C'est le danger de l'être humain de dire, ben, je suis une bonne personne, j'en fais assez, je peux me rendre jusqu'à Dieu, je vais m'arranger avec Dieu quand je vais mourir. Clairement, je vais être sauvé, ben, je n'ai jamais tué personne. Ça, c'est l'exemple qu'on... Les gens pensent que... À cause de leurs bonnes actions, ils peuvent en faire assez pour aller à Dieu. Ça, c'est l'exemple classique. Je te paye une maison de 2 millions de dollars, puis le lendemain, tu viens me donner un 10 piastres. Mm-hmm. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais rire de toi. Absolument. T'as aucune idée. Moi, c'est gentil, ton café de chez Tim Hortons. Mais t'es loin de payer la maison, là. Ça se compare même pas. C'est ça, là. Il y a un gap incroyable. Nos bonnes œuvres, on ne pourra jamais en faire assez parce qu'on va toujours être en train de faire des erreurs devant Dieu. On est coupable. Notre nature est pécheresse. Et Dieu, Jésus a d'ailleurs souvent dans les Nouveaux Testaments mis ça à l'épreuve. Les gens qui se pensaient très, très bien, très, très bon, puis dit « J'ai jamais commis d'adultère. » Oui, mais combien de fois tu as regardé une madame puis tu as eu des pensées un petit peu croches dans ta tête? Ben, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Oh! Oh, là, excuse, mais là, moi, je débarque, là. Si c'est ça, ça compte, là. C'est vrai, j'ai jamais commis d'adultère, là. T'as-tu déjà menti? C'est sûr. Ah, ben, ça veut dire que t'es menteur. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Exact. C'est écrit. Puis là, on a juste nommé deux, c'est 10 commandements. Ouais. On pourrait prendre les 10, on est tous coupables. Fait que, grosso modo, Dieu nous dit dans Ésaïe, d'une façon très claire, dit, votre justice, je la vois comme un vêtement souillé. Donc, nous, on dit, ah, regarde, je vais me faire un pont jusqu'à Dieu, je suis une bonne personne, je n'ai jamais tué personne, je suis correct. Puis Dieu dit, ouais, mais je vois ta justice, je vois toutes tes bonnes actions comme un vêtement souillé. Tu me les apportes avec des mains sales.
Moi, je suis un Dieu trois fois saint. Je suis dans la perfection. Je ne peux même pas voir le péché. Toi, tu veux t'approcher. Pécheur, tu veux t'approcher de moi. Donc, il y a certaines personnes qui disent, je vais m'arranger avec Dieu, moi. Parfait. Quand Dieu va t'accueillir, il va dire, pourquoi je te laisserais rentrer? Parce que tu es pécheur. Oui, mais j'ai fait telle chose. Étais-tu encore pécheur? Oui. Étais-tu encore pécheur? Oui. Les pécheurs ne rentrent pas ici. C'est juste le monde parfait qui rentre ici parce que moi, je suis parfait. Donc, s'il y avait un bon gars, Nicodème était certainement là-dedans. Alors, il faut faire attention d'arriver à une conclusion que nous, on pourra prendre un autre chemin. Par nous-mêmes, exactement. Jésus dit, je suis le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y en a pas de chemin. Puis si un être humain pouvait se faire un pont jusqu'à Dieu, pourquoi Jésus serait mort sur une croix? Exactement. La réalité, c'est que c'est impossible de le faire. Et moi, comme je t'ai dit à l'autre émission, je m'identifie beaucoup avec Nicodème parce que j'étais comme ça. Je pensais que j'étais un bon gars. Puis aux yeux humains, oui. Mais c'est lorsque j'ai lu un autre texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il a écrit une lettre aux Éphésiens. Tu sais, quand tu es dans une salle noire, là, puis tu cliques la petite lumière, là, la lumière fut. Lorsque j'ai lu ce texte d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Puis là, il rajoute « Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par vos bonnes actions, afin que personne ne puisse se glorifier. » Là, la lumière fut. C'est une grâce de Dieu que je peux être pardonné. Ce n'est pas par moi-même, c'est inatteignable, c'est absolument impossible. Et c'est pour ça que, comme tu l'as si bien dit, Dieu a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix. Sinon, si on est capable, je ne veux pas envoyer mon fils souffrir, injustement mourir, après quoi? 6 heures cloué sur une croix, aïe aïe, c'est atroce. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a envoyé son fils. Et comment on fait pour l'avoir? Mais c'est comme dans l'Ancien Testament, il faut avoir confiance, aller regarder le serpent. Là, il dit d'aller regarder la croix. Bref, on l'a lu au verset 15, tout de suite après que Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent, il dit quoi? Afin que quiconque croit. Et c'est là l'aspect de la foi. Comme dans l'Ancien Testament, il fallait avoir la foi, sortir de sa tente, puis dire, je vais la regarder, je vais être guéri. Et là, il faut avoir la foi, faire confiance à Dieu, que si je mets ma confiance, ma foi en Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Ils ne sont plus un obstacle entre Dieu et moi. C'est payé, bref. Et ça, c'est la bonne nouvelle de toutes les bonnes nouvelles qui enlèvent la mauvaise nouvelle qu'on avait été mordu par le serpent, par le péché qui nous a séparés de ce Dieu-là. C'est pas la religion. C'est pas mes bonnes œuvres. C'est pas quelconque philosophie, c'est pas le Dieu que je me serais créé, c'est juste Jésus. Jésus, j'ai tout fait. C'est pas aller à l'église, c'est croire. Non, puis c'est pas être né dans une famille chrétienne, c'est tout simplement croire que ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Qui est? Jésus, c'est Dieu qui s'incarne pour pouvoir venir vivre la vie que je peux pas mener, puis venir mourir la mort que je devais subir. Mes chers amis, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Ça nous démontre à quel point Dieu veut nous pardonner. Ça démontre à quel point Dieu veut nous avoir avec lui, comment il veut nous inclure, comment il veut qu'on fasse partie de son plan, qu'on fasse partie de son royaume. Et tout ce que moi, j'ai besoin de faire, c'est réaliser que j'ai été mordu par le péché, comme Martin a dit, et juste me tourner vers Jésus. Vous, est-ce que vous êtes tourné vers Jésus pour lui demander, pardonne-moi, je reconnais que ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Avez-vous pris cette décision-là? Prenez la pause pour y penser. Et on revient après, justement, pour continuer à déballer ce sujet qui a un impact éternel dans ma vie, dans celle de Martin et aussi dans la vôtre. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Donc, Dieu nous offre son Fils qui est mort sur une croix en pleine agonie, martyr. Ça, il a souffert, incroyable. Il a subi la séparation d'avec Dieu. Tout ça pour pouvoir me sauver, pour pouvoir m'inclure, pouvoir pardonner mes péchés, me donner la vie éternelle, que je puisse naître de nouveau. Et il y a des gens qui disent, ça ne m'intéresse pas. Certaines personnes disent, ah oui, moi, je veux me repentir, puis oui, Seigneur, sauve-moi. Puis il y en a d'autres qui font comme, hein? Jésus ne laisse personne d'indifférent. Et c'est justement là qu'on arrive à un point tournant. Simon, qu'est-ce que vous allez faire avec ce message-là? Qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce que moi, toi, vous allez faire avec ce message extraordinaire? Je pense à l'histoire dans Jean 11, lorsque Jésus va ressusciter Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Il a fait exprès d'attendre pour que les gens comprennent qu'il était bel et bien mort. Et il va faire une résurrection, il va dire, crier à Lazare, « Lazare, sors! » Le mort va sortir. Un miracle extraordinaire! Aucun doute. Et la réaction après est intéressante des gens. Très intéressante. En fait, il y en a deux réactions. J'en lis une, OK? Lis la première. Donc, Jean 11, 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Hein? Jésus! Normal! Parce qu'il venait de voir un miracle incroyable, ressusciter quelqu'un. Si je vais au salon funéraire, puis je ressors avec le mort, puis on jase, et je vais vouloir avoir des attentes. D'attention, c'est sûr. C'est clair. Ce qui est triste, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Et le résultat de tout ça, quelques versets plus loin, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Tu déranges. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? Il y a deux réactions, on le voit clairement. Pourtant, humainement parlé, il devrait n'avoir rien qu'une. Il a fait du bien incroyable, il a donné sa vie pour les autres. On devrait vouloir le suivre, l'écouter. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est identique avec nous aujourd'hui. Et Dieu est un gentleman. Dieu ne va pas te twister un bras. Il ne va pas te forcer. Crois-moi, crois-moi. Non, non. Tout est là devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ce message-là extraordinaire? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, avec ce message extraordinaire? Dieu se présente. Il dit, tu as un problème. Tu as un problème de péché. Un problème, depuis que tu es né, tu as un problème de péché. Et je suis venu pour justement régler le problème. Je suis venu mourir à ta place. Je suis venu prendre ton injustice sur mes épaules. Je suis venu le clouer à la croix pour pouvoir te donner la justice, pour pouvoir te donner la vie éternelle, te pardonner. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez croire en lui, tourner vos regards vers Jésus puis lui dire, sauve-moi, j'ai besoin de justement que ton sang me purifie de tous mes péchés. Je veux avoir ta vie. Ou vous allez dire comme, ah, c'est dérangeant ça. Je vais m'arranger tout seul. Sachez une chose, il ne veut pas que vous vous arrangez tout seul. La preuve, c'est Jésus en croix. Dieu veut, il vous tend la main. Vous avez juste besoin de dire, sauve-moi. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.